Bonjour à tous, c'est Nicolas. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un entremets fraises chocolat. Alors, si vous voulez, vous pouvez également remplacer les fraises par des framboises. C'est différent, évidemment, mais ce sera tout aussi bon. La recette que je vous présente ici, c'est pour environ 10 personnes. Vous aurez besoin d'un cadre rectangulaire de 20 cm sur 25. La première étape, c'est la préparation du biscuit cuillère. Nous aurons besoin de 4 œufs, de 90 g de farine et de 120 g de sucre semoule. On va réaliser une meringue en montant les blancs en neige et en incorporant progressivement 70 g de sucre semoule. Voilà, la meringue a la bonne consistance, on va la réserver. Je vais à présent fouetter les jaunes avec le reste de sucre et je rassemblerai ensuite les deux préparations. Je verse délicatement les jaunes sucrés sur la meringue et je vais mélanger le tout à l'aide d'une marise pour éviter de faire retomber la meringue. J'ajoute ensuite la farine tamisée et je vais terminer de mélanger pour que ce soit homogène. Comme il va y avoir deux couches de biscuits dans l'entremets, on va étaler la pâte sur deux plaques recouvertes de papier cuisson et on va lisser à la spatule pour être certain d'avoir identiquement la même épaisseur. Voilà, j'ai bien lissé la pâte avec la spatule, je suis certain d'avoir la même épaisseur partout. On va pouvoir enfourner le biscuit à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Vérifiez toujours en fonction de votre four. En attendant que le biscuit soit cuit et refroidi, on va entamer la préparation de la mousse au chocolat. Pour la réaliser, rien de plus simple, vous aurez besoin de 400 g de crème liquide à fouetter et de 100 g de chocolat noir. Faites fondre votre chocolat soit au bain-marie, soit au four à micro-ondes. Attention cependant au four à micro-ondes à ne pas le faire brûler. Pendant que le chocolat refroidit, on va monter la crème bien froide en chantilly. Lorsque le chocolat est refroidi, on l'incorpore à la chantilly et on va terminer au batteur à faible vitesse. Je vais à présent découper les biscuits à la taille de mon cadre. N'oubliez pas qu'il doit y avoir deux couches de biscuits. Je verse la mousse au chocolat sur le premier biscuit. Je vais légèrement lisser à la spatule, mais pas besoin de trop lisser puisque de toute façon le second biscuit viendra se déposer dessus. Je place ensuite le second biscuit, alors tassé très légèrement pour être sûr que la mousse se mette convenablement partout. L'entremets va maintenant partir au moins une heure au réfrigérateur, le temps que la mousse au chocolat prenne. Pendant ce temps, on va confectionner la mousse de fraise. Pour la réaliser, nous aurons besoin de 6 feuilles de gélatine, de 90 g de sucre glace, de 400 g de crème liquide à fouetter, de 90 g de sucre semoule et de 500 g de fraises. J'ai mis la gélatine à ramollir dans de l'eau froide. On va mixer les fraises pour obtenir une purée. J'ajoute le sucre semoule et je vais porter ce mélange à ébullition. La préparation est à ébullition, je stoppe la cuisson et j'incorpore la gélatine essorée. Je mélange pour évidemment bien l'incorporer.
J'enlève une louche de cette préparation. Elle servira ensuite pour la gelée. On va laisser refroidir tranquillement et en attendant, je vous propose de monter la crème en chantilly avec le sucre glace. On va pouvoir verser la chantilly à la fraise sur le biscuit froid. Alors assurez-vous d'en mettre vraiment partout jusqu'au bord. Il faut absolument que ce soit hermétique puisque lorsque l'on viendra couler la gelée dessus, il faut évidemment éviter que la gelée ne puisse partir par un petit trou. Lissez bien avec la spatule pour avoir une épaisseur régulière. L'entremets va maintenant repartir au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Il faut que la mousse de fraise soit bien prise avant de continuer. On va pouvoir maintenant préparer la gelée de fraise. J'ai mis à ramollir une feuille de gélatine et je vais ajouter 20 g de sucre et un verre d'eau à la purée de fraise. Je fais chauffer la préparation, c'est pas nécessaire de la faire bouillir et j'incorpore la feuille de gélatine. La gelée est à peine tiède, je vais la couler sur la mousse bien froide. L'entremets va maintenant repartir au réfrigérateur pendant plusieurs heures avant d'être démoulé. Après avoir passé plusieurs heures au réfrigérateur, l'entremets est bien pris, on va pouvoir le démouler. Si éventuellement il colle un peu aux parois, utilisez un couteau pour essayer de le désolidariser. Et bien voilà, cette vidéo sur l'entremets fraise chocolat est terminée. J'espère que vous l'avez aimé et surtout que ça vous a donné envie de l'essayer chez vous. J'attends vos commentaires et vos réactions au bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. Bonne semaine à tous !